Et salut à tous et bienvenue pour ce second épisode de Alice Madness Return, Voice Madness Returns. Donc on en était par là, on avait fait nos premiers combats et donc on va continuer à avancer. Hein. Ah ouais, non, tout ça, oui, j'avais déjà fait, ouais. Ça me semblait bien. Les fleurs aspirent à être simples et constantes, la raison d'être des hommes est changeante. Car esclaves des souvenirs, les souvenirs doivent être maîtrisés, Alice. Ceux qui sont inutiles doivent être éliminés. Ah oui, voilà, on a été que justement, il fallait que je saute, que je rebondisse plusieurs fois. Pourquoi elle veut pas? Bah ça c'est fait. Ok. Bah, c'est du tout par là qu'il fallait que j'aille. Que j'aurai pas quelque chose là-bas, de toute façon je peux plus y revenir apparemment là-bas. Si, je peux y revenir. J'aurais raté un petit quelque chose sinon. D'accord, donc du coup on peut dasher même en saut. Ah, encore toi, Alice. Approche donc. Pourquoi le ferais-je? Vous voulez me manger? Oui, en fait non, j'en ai assez. Des filles aux drôles de goût. Je suis un régime cochon. Je parle de l'art et la manière, tu comprends? Bien sûr que oui. Bien, tu vas mettre ton groin de sel. J'entends mon repas là-dessous, trouve-le pour moi. Mais prends garde aux pestes qui bloquent la voie. Assaisonne-les s'il le faut. Je pense que tu es la parfaite vaisselle et cervelle pour cette tâche. Ce moulin te sera très utile. Et vos propres jambons, alors? Question de priorité. Ma peau d'albâtre doit rester assez peu appétissante pour les créatures des environs. Sans assaisonnement. Bien, tends ton oreille à tous les grognements, puis vise le groin. Tu devrais aimer ça. Tout comme moi. Donc elle, je sais pas du tout qui c'est. Bon, c'est une cuisinière apparemment, hein, mais je sais pas du tout qui c'est dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. La Duchesse. Donc ça, apparemment, c'est une porte qui est fermée. On peut pas sauter par-dessus le tronc. Cellule. Ah mais... Saloperie! Mais change... Ah! Ah par contre j'ai pas compris comment prendre le... Ah oui d'accord. Ce qui s'appelle la sulfateuse qui va bien. Ah d'accord, et elle va en surcharge. Enfin surchauffe plutôt. Et je suis bon pour revenir à la dague?
Ah oui, mais je suis bête, d'accord, ok. Carré, c'est ça. J'ai mis en tout cas cet effet zoom qu'ils mettent là. Donc le fameux groin qu'il faut que j'arrive à choper avec le... D'accord. Y'a moyen que je puisse... Pourquoi je peux pas bouger la caméra vers le haut? Ah! Celle qui fait chier là, c'est bon. Ah, d'accord. On va voir avec mon bruit. Ouais, et donc. Non, ma foi. Non, non, on peut pas vraiment pas passer. Donc on va essayer de retourner là où le nez est parti, hein. On va bien voir. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que le décor ne donne pas de faux espoirs, quoi. On peut pas monter dessus, tout simplement. Comme ça, au moins, ça s'est réglé. Y a pas à se dire, ah, peut-être que sur ce champignon, si je monte, non, non, ça sert à rien. Merci beaucoup pour le groin. Allez, va-t'en. Et donc, du coup, on ouvre cette fameuse porte. Hop! Ok.
Non. Bon, par contre, là, c'est clair que je pourrais largement passer en étant petite, hein. Déjà que je pourrais passer en étant grande. Et donc, ça m'apporte quoi d'être ici, en fait? Pourquoi est-ce qu'il m'ouvre ce chemin-là, le cochon, alors que finalement, ben, j'ai rien à récupérer? Mystère Babel de gomme, j'ai envie de dire. Ok. Toi, je t'ai vu. Mangez votre soupe. Des veaux sont morts pour ces fantaisies. Donc c'est notre ancienne nourrice, hein, apparemment. C'est une tortue buffle. Non, ça ne fait strictement rien. Ça, j'imagine qu'ils vont même pas y aller. Donc, je pense que c'est par là-haut qu'il faut passer. Et qu'en fait, je n'aurais pas dû descendre, j'aurais dû sauter de plateforme en plateforme. Donc, c'est reparti pour remonter! En même temps, ça me permet de récupérer quelques petites dents que j'avais oubliées. Ouais, mais c'est un peu loin là. Et là, ça me donnerait que je puisse sauter. Puis même, de toute façon, ça ferait encore beaucoup trop loin pour pouvoir me rapprocher. Y'a pas un groin? Ah, si, il est là-bas. Il disait. Ramène-moi la dent dorée, s'il te plaît. Ok. Et voilà. Ça sent la... Oula, ouais. Elle pleure carrément du slime. Donc toute cette ruine est en train de ruiner, hein, son... C'est monde merveilleux, hein. Là, c'est cool de dire, là. Et il se casse la gueule littéralement là, j'ai envie de dire, hein. Hop là. Thank you.
Oula, Just, hein. Elle a pas voulu ressauter une troisième fois. Le chemin de fer du pays des merveilles est charmant mais inefficace. Il n'est que bruit, brume et long limaçon. Mieux vaut oublier ce train. Une simili-tortue s'en occupe ? Oh non, ça ne fonctionnera jamais. Donc déjà, le psychologue, il a envie qu'on se détruise notre pays des merveilles. Alors bon, ça a l'air de se détruire déjà suffisamment tout seul comme ça, correctement. Hein ? Apparemment, il n'y a pas besoin du psychologue, là. Hein ? Ah, lâche-moi. Putain, ils m'ont carrément cassé une fleur. Vis comme si ta vie en dépendait. Du reste, c'est le cas. Rassemble ces petites choses blanches semblables à de l'ivoire pour ne pas finir en terre vivante. Mes amis aiment la purée des armes, le sentiront passer. Ok, donc c'est le coup des... Tu n'as pas assez de dents pour améliorer ton moulin. Ah oui, d'accord, quand même, ouais. Les meilleures armes t'aideront à survivre aux merveilles. Prends bien soin de tes dents. Ah oui, d'accord, ça coûte 675, là, ça se voit juste au-dessus, là, et 475 pour lui. Je n'ai que 77, donc forcément, le 475, non. De revoir le train. Chapelier n'a jamais supporté les défaillances. Cette catastrophe est soit son chef-d'œuvre, soit une. Donc le chapelier, je pense qu'on a dû plus que le fréquenter dans le premier opus, hein. Sauf que bon, comme je vous disais, le premier opus, je le trouve pas sur Steam, et je vous invite à aller voir la vidéo de Creepy as Shit. Donc c'est Creepy, C-R-E-E-P-Y, plus loin as A-S. Et shit, SH étoile T, parce que du shit il fallait écrire, évidemment, c'est une chaîne YouTube donc ils se doivent d'être polis. C'est juste pour récupérer 3 dents que je peux venir là. Ah, c'est un peu nul. Ouais, je peux pas monter au-dessus. Hein. Bon, bah on va continuer par là alors, hein. Donc, apparemment, je rate rien. Ah, je vais dire que c'est qui me touche là. Je casse ce truc et je me prends des dégâts. Non mais oh. Bon, ça veut dire que tu ne reviendras pas en arrière. Je rate rien.
Kizako, ah, c'est les nouvelles. Nouveaux contenants à casser. Ah bah là, on est chez le chapelier du fou là. Mais il va se calmer lui, hein? Qu'est-ce qu'il en pense? Ah, lui carrément il a un bouclier. Ok, donc on déjà on peut pas passer au travers avec ça. T'as leur coupe carrément la tête quoi. Ça sent la musique à mise à l'envers quand même, hein, au niveau des violons. Oh! Par contre c'est un peu chiant là, ces histoires de petits pixels là qui nous bloquent, on sait pas pourquoi là. Et ouais, mais c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas par là que je voulais esquiver, je suis pas con quand même. Ça manque un peu de life, hein. Lui apparemment il contrôlait un robot. Un mecha en tout cas, parce qu'un robot ça se contrôle tout seul, alors qu'un mecha il faut un pilote. Persuadé de pouvoir monter, mais en fait non. Ça repousse les violettes. Oh, excellent ça, ça nous redonne de la vie. Ah, encore je me prends les dégâts, d'accord. Ah ah. Donc là en fait c'est certainement la suite, mais je vais plutôt revenir en arrière pour le petit trou que j'ai trouvé aussi. Vous voyez en grand si... Ouais ça fonctionne, ouais c'est un point visible en fait. Qui a trouvé là-dedans? Une bouteille en or. Voilà, c'est plutôt genre comme ça que dans Fallout 4 j'aurais bien aimé. Voilà, genre un petit coin bien, bien caché, quand on a une bonne récompense. Pas un truc qui sort de... qui sert à rien. Cela aurait pu arriver, chère Alice. Connaissiez-vous le pauvre monsieur Crook? Mort, calciné. Le docteur Wilson ne croit pas aux combustions spontanées, mais Monsieur Dickens avait raison. Donc ça m'a l'air d'être un endroit un peu caché, c'est bien. Attends. Thank you.
Ah, donc je pense qu'on a l'histoire du dieu Six pour dire hey, regarde, t'as vu, il y avait un nez de cochon là-bas. Regarde ce que t'as fait gratter. Alors, on va jouer certainement de la musique. On va juste tout simplement souffler dans le corps. Chapeau des indi... enfin, l'industrie des chapeaux. Ça, c'est du téléphérique, bordel. Chez le chapelier, presque comme je m'en souviens. Les apparences, tu le sais mieux que quiconque, sont parfois trompeuses, Idel. Les choses ont changé depuis ta dernière visite. Le docteur Bumby dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer en bien ou en mal, mais sûrement pas en la même chose. Le chapelier, trouve-le. Son esprit est plus changeant que le tien. Que sait-il de la différence entre le bien et le mal? Tu t'amuses bien, Lydia? Je vois que tu n'as toujours pas retrouvé le sens de la réalité. Je sais me débrouiller toute seule, chat. Retourne donc dormir sur ton paillasson. Je crie, si j'ai besoin. Quelle humeur de chien! La question n'est pas si tu as besoin, Lidl, c'est quand. Bah, tiens bon, et comme on dit, et toi? Bien sûr, facile à dire. Ok. Tiens, on a changé de robe. Heureusement que je n'ai rien de cassé. Habituellement, mes entrées sont plus soignées. Oui, ça, on peut s'en douter, hein. De cette vapeur qui a soulevé ta robe par-dessus ta tête. C'était juste devant chez Arroz. Heureusement que je venais de laver ta culotte. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'elle s'imagine ça dans son monde des merveilles. Ah ah! Heureusement que j'ai cette curiosité là, dis donc. Ouah, ce petit coup de lave là, ça m'a un peu fait peur. Ah ah, le petit groin caché. Oh, joli ça. Alors les bouteilles, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, hein. Donc les nouveaux contenants.
Enfin, elle les décapite pas forcément. Ouais. Faut récupérer de la vie, mais je n'ai pas besoin. Et qu'est-ce que j'ai à récupérer là-bas? Une grande bouteille. C'est bizarre d'être en caméra fixe. On aurait dit que c'était quelqu'un qui nous observait. Alors que ça peut être personne qui nous observe, puisqu'on est dans notre univers. Donc ça c'est les c'est les dodos hein, dans le conte de donc fait par Walt Disney. Donc la reine de cœur joue avec les dodos pour au criquet avec les dodos en se servant des dodos comme maillet. Donc certainement qu'ils sont là pour ça. Là, ben, les dodos sont en train de rôtir. J'ai bien envie de tester. Ah ben non. Je pensais que c'était un petit palier à cacher, mais en fait, du tout. Donc en passant petite, je peux passer par là, ou sinon, continuer par là. Et on va d'abord passer par là. Chier d'apparaître quand on casse des contenants là. Par contre, on peut pas sauter quand on est en petite. Ouais, c'est juste pour des dents. Non mais lâche l'ennemi s'il te plaît. Si? Ah ça subisse pas ça. Parce qu'on se fait quand même tabasser à coups de cuillère, quoi. Alors, on va enclencher ça. Au con? Ils sont comme ça, eux. Là, je comprenais pas pourquoi ça faisait zoomer un petit coup, mais... non, je vais faire un peu plus attention. Faut vraiment que je prenne l'habitude de me servir de ce bouton-là. Pour moi, d'être aux aguets et de penser à esquiver en permanence, quoi.
Raté. Déjà, j'ai même pas vu que c'était la plateforme à atteindre. C'est au moment où je me suis dit que ça risquait de faire un peu loin pour sauter jusqu'à là-bas que je me suis dit, tiens, une plateforme. J'étais un peu limite quand même encore. Hein. Saloperie. Il me l'a quand même mis dans la gueule. Eh ouais. Saloperie. Ah bordel. Là, j'ai pas droit à crever moi dans les combats, hein. Je me fais botter le cul, hein. En tout cas, la musique elle est excellente, hein. Il y a toujours ces petites sentiments un peu enfantin, mais avec ce bon côté de non, c'est le combat là, hein. On n'est pas là pour s'amuser. Putain, mais ça me contre-attaque et tout, et... Comment ça? De fou. Tu as du chapelier. Elle était sûre. Pourtant, j'ai continué à taper pour être sûr de le fracasser avant qu'il me tape, mais. Mais non, 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 je me le suis pris quand même dans la gueule. Elle était sûre. Ça incite souvent à passer en mode petite, ça, cette connerie. Ah non! J'ai même. Elle est tombée, mais stoïque, comme une frite. Voilà, je reste droit. Et souvenir de la maison. Je t'ouvre mon cœur. Ah, et une groin aussi. Toujours, sans limite, pas de serrure. Ah ouais, je suis carrément des dégâts dans le métal et tout. Tout de fou. On va éviter de retomber, hein, ce serait dommage. Ah, ah c'est chiant, comment on avance exactement à la même vitesse que le plateau quand on flotte. Du coup, on peut pas la rattraper. Du coup, on se fait avoir. Ouais, c'est un plateau qui s'atteint, ça.
peut rien en faire de plus. Putain, je le voyais pas du tout, j'ai eu la chance de tomber exactement où il fallait. Ah, ah. Où tiens, nez de cochon? Ah non, ça c'est là, il est là-bas, il est tout droit là. Ah bah oui, d'accord, il était juste en dessous de moi, donc forcément j'arrive pas de le voir. Je sais que vous m'avez comprise, petite capricieuse. Utilisez le bassin et laissez cet affreux lapin. Alors j'imagine que tous ces souvenirs-là donc rimeront à quelque chose à la fin du jeu. Hein. Ou alors faudrait-il tous les avoir pour que ça rime à quelque chose? Ou est-ce juste des objets à récupérer, donc vu qu'on les récupère, et voilà, ils ont juste prévu un petit quelque chose à dire quand on les récupère, et puis c'est tout. Ça, on verra à la fin. Encore une petite cochon, là. Ouais, il est là. C'est que je peux pas le viser. Oui, je pense que la flèche, il l'aurait pas mise, je serais rentré quand même. Hein. Alice était souvent seule, une enfant froide et réservée, je présume. Sa grande sœur, bien que très appréciée, n'était plus en âge de jouer. Oui, donc de ce que je me souviens par rapport à Alice, premier du nom, donc voilà, on était seul, machin. On aimait beaucoup dormir et nous échapper dans notre monde merveilleux. Ce qui fait que justement quand l'incendie a pris, on était en plein sommeil, donc à savoir si c'était pas nous en plein crise de somnambulisme qui avions mis le feu à la maison, tuant papa, maman et la grande sœur au passage. Ok, j'aimais la théière mécanique, la poumirette, ok. Qui fait genre araignée quoi. En tout cas, elle a pas l'air de rigoler. Hein. Ok. J'ai compris le principe. Mais c'est un boss ou quoi?
Wow. Il y a qu'à pas y passer là, hein. C'est bien d'avoir des barres de vie, savoir où on en est. Alors c'est soit je me suis très mal pris, il fallait la faire au moulin à poivre suffisamment tôt, soit c'était un boss. Mais vu qu'il y a l'ennemi qui est en bas, je pense que c'était un boss. Que c'était un ennemi de base, c'est moi qui me suis mal pris. Sa mère. Ah putain, elle m'a bien visé, hein. Ça le prix. Je pense que j'ai dû très mal lui prendre, ou alors que c'était genre ennemi boss pour montrer un peu comment ça fonctionnait. Parce que putain, j'ai mis 100 ans à le tuer par rapport à cela, quoi. Alors, tasse et soucoupe. Putain, c'est rigolo, c'est écrit en français. Ah, on peut pas monter! Et donc bah, dès qu'on quittera le coin là, bah, ce sera la fin de la vidéo, parce que je pense qu'on sera allé assez loin. Enfin, qu'on aura fait suffisamment de temps pour cet épisode là. Obligé de trouver. Bon ben. Ah moi ce qui m'intrigue c'est ça là. Non. Par le manivelle. Ma foi.
pressé par le temps. Trouve-le, ou tu en seras à court. Bon, on va s'arrêter là. Donc j'espère que ce second épisode vous aura plu. Là, donc, on est dans l'univers du Chapelier Fou. Donc, qui est assez métallique, hein, comme on peut le voir, à Grenage et compagnie. Et puis là, donc, que dire de plus, je ne sais pas, parce que je ne sais pas où, au niveau de l'histoire, on avance ou on n'avance pas. Et donc, bah, je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne, à poster des commentaires, à nous rejoindre sur Facebook et sur Steam, donc Love and Ange. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, et amusez-vous bien!